C'était Édith Beaulieu à l'orgue qui joue ce matin. C'est un jeu d'une précision remarquable pour l'instrument qu'on a, un instrument mécanique, vraiment, vraiment très, très bien. Saint-Esprit. Que le Seigneur, berger bienveillant et miséricordieux, soit toujours avec vous. D'abord, bienvenue à chacun et chacune, et j'espère que vous avez passé une belle semaine, malgré la température qui a été un peu fraîche, disons, et un peu pluvieuse. Mais malgré cette température pluvieuse que nous avons encore ce matin, nous allons prier aujourd'hui pour qu'il y en ait de la pluie. Dans ces régions qui sont atteintes par les feux de forêt, on apprenait encore ce matin que les gens qui devaient retourner chez eux à Lebel-sur-Quévillon doivent attendre encore parce que les feux de forêt progressent dans cette région. Alors même si pour nous la température est un peu maussade, n'en demeure pas moins que bien des régions de la province et du pays ont besoin de cette pluie pour mettre fin à ces feux de forêt qui dévastent une de nos richesses naturelles les plus grandes. Avec au cœur ces intentions et celles qui ont été déposées en avant de l'autel, entrons en célébration, en reconnaissant que le Seigneur nous appelle toujours à témoigner avec courage de cette foi qui est nôtre, de l'espérance que nous avons comme chrétiens et aussi de la charité qui rend effective notre foi. Prenons quelques instants pour reconnaître que pour parvenir à cette dimension de témoignage, nous avons besoin de soutien. Nous avons besoin de cette miséricorde du Seigneur. Alors prenons quelques instants pour l'implorer. Quand nous manquons de foi, Seigneur, prends pitié. Quand nous manquons d'espérance, ô Christ, prends pitié. Quand nous manquons d'amour, Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Unissons nos voix
et célébrons ce dimanche la gloire de Dieu. Célébration, c'est à la demande des évêques catholiques du Canada et de notre archevêque, le cardinal Gérald de la Croix, que nous sommes invités ce matin à prier pour demander l'appui pour les régions de notre pays et de notre province touchées par les incendies de forêt. Profitons de cette prière pour porter aussi dans cette intention les pompiers, d'abord ceux de notre pays, mais aussi ceux des autres pays qui sont venus prêter main forte ici au Canada et au Québec. Portons aussi dans la prière ces familles évacuées, toutes les personnes qui organisent les lieux d'accueil, les lieux de générosité, et ceux qui ont pu retrouver leur maison, mais ceux aussi qui ne l'ont pas fait encore. Prions ensemble. Seigneur Dieu, force de ceux et celles qui espèrent en toi, sois favorable à nos appels, puisque mortels et fragiles, nous ne pouvons rien sans toi. Accorde aux régions de notre pays et de notre province atteintes par les incendies de forêt l'appui dont elles ont besoin, afin qu'ayant reçu une aide suffisante pour la vie d'ici-bas, nous désirions les biens éternels avec autant plus de confiance. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, les fils d'Israël arrivèrent dans le désert de Sinaï et y établirent leur camp juste en face de la montagne. Moïse monta vers Dieu. Le Seigneur l'appela du haut de la montagne. Tu diras à la montagne de Jacob, et tu annonceras aux fils d'Israël. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte, comment je vous ai porté comme sur les ailes d'un aigle, et vous ai amené jusqu'à moi. Maintenant, donc, si vous écoutez ma voix et gardez mon alliance, vous serez mon domaine particulier parmi tous les peuples.
car toute la terre m'appartient. Mais vous, vous serez pour moi un royaume de prêtres, une nation sainte. Parole du Seigneur. A fait et nous sommes à lui, nous sommes peuple de son troupeau. Il nous a fait et nous sommes à lui, nous sommes peuple de son Acclamez le Seigneur, terre entière, servez le Seigneur dans l'allégresse. Venez à lui avec des chants de joie. Il nous a fait et nous sommes à lui, nous sommes peuple de son. Reconnaissez que le Seigneur est Dieu, il nous a fait et nous sommes à lui. Nous, son peuple, son troupeau. Il nous a fait et nous sommes à lui. Nous, son peuple, son Seigneur est bon, éternel est son amour, sa fidélité demeure d'âge en âge. Il nous a fait et nous sommes à lui, nous sommes peuple de son. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères et sœurs, alors que nous n'étions encore capables de rien, le Christ, au temps fixé par Dieu, est mort pour les impies que nous étions. Accepter de mourir pour un homme juste, c'est déjà difficile. Peut-être quelqu'un s'exposerait-il à mourir pour un homme de bien. Or, la preuve que Dieu nous aime, c'est que le Christ est mort pour nous, alors que nous étions encore pécheurs. À plus forte raison, maintenant que le sang du Christ nous a fait devenir des justes, serons-nous sauvés par lui de la colère de Dieu. En effet, si nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, alors que nous étions ses ennemis, à plus forte raison, maintenant que nous sommes réconciliés, serons-nous sauvés en ayant part à sa vie? Bien plus, nous mettons notre fierté en Dieu, par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui, maintenant, nous avons reçu la réconciliation. Parole du Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia.
Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, voyant les foules, Jésus fut saisi de compassion envers elles, parce qu'elles étaient désemparées et abattues, comme des brebis sans berger. Il dit alors à ses disciples, « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. » Alors Jésus appela ses 12 disciples et leur donna le pouvoir d'expulser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Voici les noms des 12 apôtres. Le premier, Simon, appelé Pierre. André, son frère. Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère. Philippe et Barthélemy. Thomas et Matthieu, le publicain. Jacques, fils d'Alphée, et Thaddée. Simon le Zélote, et Judas l'Iscariote, celui-là même qui le livra. Ces 12, Jésus les envoya en mission avec les instructions suivantes. Ne prenez pas le chemin qui mène vers les nations païennes et n'entrez dans aucune ville des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Sur votre route, proclamez que le royaume des cieux est tout proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, expulsez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Acclamons la parole de Dieu. Dieu, notre Dieu, Dieu avec nous. Dieu est d'abord un Dieu du regard, un Dieu qui voit. C'est ainsi que commence l'Évangile de ce matin. Voyant les foules, voyant ceux et celles qui le suivaient, Jésus fut saisi de compassion envers elles. Parce que Jésus est sensible. Des sentiments qui l'animent devant les hommes et les femmes affamés, malades, infirmes, affligés. Et les sentiments de Jésus, ce sont ceux du cœur même de Dieu. Et c'est là qu'on comprend que la source de la mission de Jésus, c'est la tendresse de Dieu, la tendresse du Père. Et la mission, elle jaillit du cœur de Dieu. Et la mission, elle fait en sorte qu'il y a un désir de partager gratuitement sa vie, de partager gratuitement son amour avec d'autres et d'autres qui sont en état de fragilité. La moisson est abondante. Mais quand Jésus dit cela, je me demande toujours, qu'est-ce qu'il voyait de son monde? C'est un évangile qu'on entend souvent. Et bien souvent, on met l'accent sur le « Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers hein, » en pensant aux vocations. Mais il y a quand même cette moisson abondante. Qu'est-ce qu'il voyait, Jésus, en regardant son monde? Qu'est-ce qui lui faisait dire que la moisson, elle est vraiment abondante? Qu'est-ce qui avait poussé autour de lui et qui était si abondant? Sûrement que, comme nous, Jésus était entouré de personnes en souffrance. Que ce soit la souffrance de solitude, que ce soit la souffrance du rejet, que ce soit la souffrance d'incompréhension, la souffrance de dépression, la souffrance d'addiction,
la souffrance de rage, de violence, la souffrance de vivre sans espérance, de vivre sans joie. C'est une moisson abondante que produisait la société de Jésus et que, malheureusement, produit encore et aussi la nôtre. Et Jésus fut saisi de compassion envers elles parce qu'elles étaient désemparées et abattues, comme des brebis sans berger. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Et il appelle. Il appelle de ses proches pour manifester aux hommes la miséricorde de Dieu et pour épouser son regard de tendresse sur le monde. Il appelle non pas pour transmettre des commandements, mais pour partager ces trésors de vie que Dieu nous donne en Jésus et en son Esprit. Et il appelle. Il appelle pour être missionnaire. Il appelle pour être passionné pour le bonheur de toute personne. Et il appelle pour mieux envoyer, sachant que l'envoyé ne déserte pas le monde, mais que l'envoyé cherche à le transformer, ce monde de l'intérieur, par l'amour qui humanise et par l'amour qui divinise l'homme. Parce que vous le savez autant que moi, seul l'amour est contagieux et seul le véritable amour est missionnaire. Priez donc. Parfois, on a l'impression que notre prière, elle est pauvre. Et bien sûr que parfois, notre prière, elle est même très simple. Et pourtant, la prière, quelle qu'elle soit, est un acte privilégié de collaboration à l'œuvre de Dieu. Et la prière, toute prière, si simple soit-elle, est un acte missionnaire. Et la prière nous fait participer à la mission même du Christ. Et regardons ce que Jésus donne aux apôtres. Le pouvoir d'expulser les esprits mauvais, le pouvoir de guérir toute maladie, toute infirmité, le pouvoir de ressusciter les morts et purifier les lépreux. C'est un pouvoir d'aider les gens à vivre pleinement. C'est un pouvoir d'aider les gens à améliorer leur vie. Et c'est un pouvoir de faire une différence dans le quotidien en ayant un cœur qui voit et un cœur qui écoute et d'avoir aussi un esprit de compassion. Et tout cela s'applique à nous aujourd'hui. Peut-être que vous me direz, écoute, monsieur le curé, ressusciter des morts, purifier des lépreux, chasser des démons. Ben oui, on est capable de ressusciter des morts. Oh, pas nécessaire d'aller au cimetière après-midi puis vous essayer, là, c'est pas ça qui va fonctionner. Mais si on aide des hommes, des femmes, des enfants à retrouver un sens à leur existence, à retrouver la joie de vivre, c'est là qu'on ressuscite des morts. Parce que, regardez comme il faut autour de vous, il y a bien des gens qui vivent comme des morts, toujours le visage affalé, triste, ne sachant où aller. D'ailleurs, on pourrait se poser la question, qu'est-ce que nous avons de l'air? Est-ce que la joie de vivre nous habite, du simple fait qu'on est chrétien? Purifier les lépreux, on vous dirait, c'est pas dans nos pays. Bien sûr que non, heureusement. Mais qu'est-ce que c'est que purifier des lépreux aujourd'hui? Sinon que de permettre à ceux et celles qui sont exclus de la société de regagner leur dignité, de réintégrer la communauté que nous formons, en ceux et celles qu'on met souvent de côté à cause de la nationalité, à cause de l'appartenance politique, à cause de la religion, les inviter à faire partie pleinement
que la communauté humaine. Dieu n'a pas fait d'erreur quand il nous a créés. Et Dieu ne manque jamais son coup quand il crée l'être humain. Chacun, nous sommes uniques. Chacun, nous sommes porteurs de Dieu. Chacun, nous sommes le reflet du visage du Père. Et puis, chasser les démons. Je vous avoue que dans 40 ans de prêtrise, je n'ai pas réalisé ce ministère-là. Et pourtant, je pense en avoir chassé les démons. À chaque fois qu'on aide ceux et celles qui sont sous la domination des esclavages d'aujourd'hui, les esclavages de notre société, ceux qui sont sous la domination de notre système économique, ceux et celles qui sont sous la domination de la mode, de la nourriture, de la drogue, des violences de toutes sortes, les aider à s'en sortir. Et il y en a de la violence dans notre monde. En cette semaine, on disait qu'un enfant sur 10 était dénoncé à la DPJ, à la Direction de la protection de la jeunesse, parce qu'ils étaient victimes de violence. Un enfant sur 10. C'est quand même terrible. Mais quand je regarde ce qui se fait chez nous, bon, comme par exemple ce que vous connaissez tous, la Saint-Vincent-de-Paul, les comptoirs alimentaires, les services d'entraide, je sais que dans la communauté que nous formons, il y en a des missionnaires fidèles, des missionnaires capables de voir et d'agir. Et quand j'apprends, des fois par la bande, de façon très discrète, les actions posées par l'un ou par l'autre, je vois que la véritable mission, elle est en vie chez nous. Vous savez, chaque fois qu'on aide quelqu'un d'autre, que ce soit un enfant, que ce soit un adulte, que ce soit une personne âgée, on est disciple. Et on est des disciples missionnaires. Soyons donc capables de voir le bien que le Seigneur fait en nous et aussi que le Seigneur fait par nous. Et arrêtons de nous culpabiliser comme catholiques et refusons d'être culpabilisés parce que nous avons compris, nous, que c'est souvent en aidant les pauvres, en aidant les autres, que nous redonnons sens à notre vie. Et ce n'est pas vrai que nous ne faisons que partie de l'époque noire de notre histoire. Ce n'est pas vrai. Allez voir dans les hôpitaux, les cadres, ce ne sont pas les visages des politiciens qui sont là. Bien souvent, ce sont les cadres de religieuses et de religieux qui ont fondé ces hôpitaux et qui les ont entretenus. Faites la même chose dans les collèges. Ce n'est pas des faces de politiciens qui sont là. Ce sont des visages, bien souvent, de frères, de prêtres, qui ont fondé pour l'éducation. L'Université Laval, la plupart des pavillons portent des noms de Monseigneur, parce que c'est le séminaire de Québec qui a mis ça en place. On ne fait pas partie de l'histoire noire de notre histoire, parce que ce que nous avons écrit depuis le début de la colonie, depuis la Nouvelle-France, ce sont des pages de service, de générosité et d'entraide. Et encore aujourd'hui, nous sommes, comme catholiques, les bâtisseurs d'une société plus juste, et nous écrivons encore des pages de service et des pages de beauté. Frères et sœurs, notre monde est un monde en fragmentation, de solitude et de violence. On parle bien sûr aujourd'hui de la Terre comme étant un village global, mais il n'y a jamais eu autant de solitude au mètre carré. À cause de notre foi au Christ, nous savons que nous, comme chrétiens, comme catholiques, nous pouvons faire une différence dans la vie de certaines personnes. Or, bien sûr qu'on ne réglera pas tous les problèmes du monde,
Mais on peut aider une, deux, cinq personnes autour de nous. Parce que nous sommes tous des envoyés à la manière des apôtres. Tout à l'heure, à la fin de la messe, je vous dirai, comme d'habitude, allez dans la paix du Christ. La communauté que nous formons, la communauté d'Église que nous formons ce matin, sous son aspect liturgique, est une réunion provisoire qui nous invite à nous séparer et à retourner à notre milieu de vie, à notre milieu de travail, afin de créer avec tous, hein, des croyants, des non-croyants, une communauté plus humaine. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement, en vous rappelant que c'est beau ce que nous sommes. Voici le temps de notre profession de foi. Vous avez sûrement remarqué que dans le texte du symbole des apôtres, deux phrases sont en caractère italique, hein, qui a été conçue du Saint-Esprit, est née de la Vierge Marie. Nous sommes invités à ce moment à nous incliner simplement, à baisser la tête pour reconnaître la grandeur de ce mystère de Dieu parmi nous, de Dieu qui s'est incarné. Alors, en étant attentif à ce geste de liturgie, proclamons d'une seule voix, « Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli. Est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Jésus nous a exhortés à prier son Père sans nous décourager, car le Père est bon et généreux. Présentons-lui encore ce matin nos demandes avec confiance et après chaque intention nous reprendrons. Écoute-nous, Seigneur, et exauce-nous. Pour tous les membres de l'Église, peuple de prêtres et nation sainte, afin qu'ils soient toujours plus nombreux à témoigner du Christ et de son Évangile, prions le Seigneur. Écoute-nous, Seigneur, et exauce-nous. Pour tous les baptisés qui exercent des fonctions particulières au sein de l'Église, afin qu'ils demeurent fidèles, heureux et courageux dans leur engagement, prions le Seigneur. Écoute-nous, Seigneur, et exauce-nous. Pour les populations aux prises avec la guerre, afin qu'elles gardent espoir de parvenir à trouver la paix, prions le Seigneur. Écoute-nous, Seigneur, et exauce-nous. Pour les pères, dont c'est aujourd'hui la fête, afin qu'ils reçoivent de leur entourage tout l'amour qui leur revient, prions le Seigneur. Écoute-nous, Seigneur, et exauce-nous. Pour nos communautés chrétiennes, afin qu'elles accueillent avec sérénité les changements et nouveautés qui s'offriront à elles, prions le Seigneur. Écoute-nous, Seigneur, et exauce-nous. Prenons quelques instants pour présenter au Seigneur nos intentions plus personnelles, en nous rappelant aussi cette intention que je vous ai partagée en début de célébration.
Père, nous te remercions de nous rassembler en ton Église et de faire de nous des témoins de ton Fils et de son Évangile. Aide-nous à demeurer fidèles à ta parole et à faire preuve d'audace pour manifester ton amour. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Nous t'en prions, fais que ton secours ne manque jamais à nos corps et à nos esprits, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec vous. Élevons notre cœur. Nous rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans le mystère de sa Pâque, il a fait une œuvre merveilleuse, car nous étions esclaves de la mort et du péché, et nous sommes appelés à partager sa gloire. Nous portons désormais ses noms glorieux, descendance choisie, sacerdoce royal, nation sainte, peuple racheté. Nous pouvons annoncer au monde les merveilles que tu as accomplies, toi qui nous appelles des ténèbres à ton admirable lumière. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut, et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons.
Père Saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que, du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu sois élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Sainte Geneviève, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, et notre archevêque Gérald, son auxiliaire Marc, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos sœurs et nos frères défunts,
Et pour tous ceux et toutes celles qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. Et ce matin, nous voulons te prier, Père, pour Valère de Blois. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ, notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis, nous sommes dans un même esprit, redisons avec confiance la prière reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ta volonté soit faite sur la terre. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché et à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Celui qui enlève les péchés du monde, heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Comme on l'a souligné aux prières universelles, aujourd'hui c'est la fête des Pères. Alors j'inviterai M. Marcel à nous partager une prière d'action de grâce pour ceux qui sont papas. Prière pour la fête des Pères. Seigneur, en ce jour de fête et de joie, nous voulons te rendre grâce, te dire merci pour nos pères, ceux qui sont encore parmi nous et ceux qui t'ont rejoint. Oui, Seigneur, merci pour nos papas qui, au cœur de la famille, jouent un rôle important. Par leur attention et leur dévouement quotidien, c'est ton amour qui se révèle à nous. Par leur joie de vivre, c'est ta joie qui nous rejoint. Par leurs mots d'encouragement, c'est ta voix que nous entendons. Merci, Seigneur, pour les pères, les grands-pères et les futurs papas, les pères dont la santé est fragile, les pères qui vivent la journée seule. Montre à tous ta bonté en leur faisant vivre aujourd'hui la plus belle des journées. Comble-les de tes bénédictions. Amen. Amen. Merci. Cette semaine, c'est la fête de Saint-Jean-Baptiste, la nativité de Saint-Jean-le-Baptiste. Alors, pour la Saint-Jean, samedi 24 juin à 9h30, il y aura ici un prélude musical, un petit concert qui nous conduira à la célébration eucharistique à 10h. La célébration, bien sûr, nous permettra de fêter Jean-le-Baptiste, mais cette célébration, qui est aussi la fête nationale, se conclura par un temps de fraternisation avec un goûter, s'il fait beau, et il fera beau, sur les terrains de l'Église. Habituellement, le samedi matin, à 9h, en l'église de Saint-Jean-Baptiste de la Salle, il y a la messe de Saint-Pérégrin, aux intentions des personnes atteintes de cancer et ceux qui sont atteints aussi de maladies graves. Alors, cette messe, elle s'est arrêtée pour la période estivale. Elle reprendra le 9 septembre, toujours à Saint-Jean-Baptiste de la Salle. Et bien sûr que les fêtes nationales ou la fête du pays nous invitent au congé. Alors, à cause des fêtes du 24 juin et du 1er juillet, je vous rappelle que les bureaux du secrétariat seront fermés vendredi 23 et vendredi 30 juin. Je recommande aussi à votre prière Madame Alvin Butchuang, décédée récemment au Cameroun. Elle est la sœur de Madame Prudence Teutu Madou, bénévole ici en notre Église. Alors, nous lui offrons bien sûr l'assurance de notre prière et toute notre sympathie pour ce décès. En vous souhaitant une belle semaine avec du soleil, en vous souhaitant un beau dimanche avec la joie au cœur, nous nous laissons dans la prière et la bénédiction. Cette communion à tes mystères, Seigneur, préfigure l'union des fidèles en toi. Fais qu'elle produise un fruit d'unité dans ton Église, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Amen.